Ça a pété. Waouh, c'est trop stylé. Bonjour à tous les amis. Et bienvenue dans cette vidéo où nous allons construire une base. Et cette fois-ci, ça va pas être une base de cocotte. Hein. Nous allons construire un building avec de nombreux étages, avec escalier, un truc assez sale. Et si on peut, on va essayer de raid la police, ça je vous le dis. Ça sera encore plus sympathique. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas de like, les amis, parce que c'est super important sur YouTube. Likez la vidéo si vous voulez me soutenir. Un like, c'est un vrai soutien, les gars. Et tous ceux qui le font, vous êtes dans mon cœur. Merci à vous. Et si vous pouvez me mettre en commentaire ceux qui ont like, j'aimerais bien voir le pseudo des personnes qui ont like, voir qui vous êtes. Ok, c'est parti. Alors là, on va commencer. Let's go. On va sortir une petite voiture. Voilà. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Toujours être poli avec les gens. On sait jamais sur qui on va tomber. Ok, on a sorti le BM. Et on va faire ça à la mine. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus bas de la map. Et si ça va nous faire gagner déjà 2 étages, je pense. Hein. Ok, let's go à la mine. Il y a déjà 2 personnes qui nous attendent. On a le fils Jaigo et on a Nikolai aussi présent. Attention. Bonjour monsieur. C'est votre fils? Bonjour, bonjour. Monsieur Nikolai? Non, pas vraiment. On dirait qu'il vous ressemble. Parler de quelqu'un qui lui ressemble mais pas qui lui ressemble pas non plus. Ok, ça c'est bon. Bon, allez, votre voiture, je la fous à l'eau, elle est moche. Hein. Bon bah ça arrive. Pourquoi t'es chaud? Allez hop, ça clash. Et pourquoi toi t'as les cheveux verts? Ok, donc c'est parti. Donc ça va être nos murs, les gars. Donc ça va nous servir de mur. On se garde ça sur le côté parce qu'en fait, on va construire ça tranquillement. Donc je pense qu'en largeur, ça ferait 2 et 2, quoi. Ok, je pense que j'ai trouvé déjà le dessous de notre building qu'on va mettre là. Hop, je pense que là, on serait bien. Oh non, je l'ai mis trop profond. Oh non, non. Oh non, je l'ai enfoncé dans la map, les viewers. Il faut que je le retrouve exactement c'était lequel maintenant. Parce qu'en fait, il faut avoir la bonne longueur, en fait. Hein. Parce que si on n'a pas la bonne longueur, je vous avoue que c'est le bordel après. Okay, on va retirer le puits de pétrole. Ça se retire comme ça, IRL aussi, les viewers. Hein. Parce que là, j'aime bien être roleplay. Vous me connaissez. Toujours roleplay. Le roleplay est pour moi une évidence. J'ai l'impression que vous ne croyez pas quand je dis ça. Mais c'est pas grave. Ah non, je viens de penser à un truc, les gars. En fait, je vais pas pouvoir utiliser ce carré-là. Parce qu'en fait, je voulais mettre les vitres sur le côté et tout. Mais en fait, on veut qu'il y a un escalier qui monte. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faudrait qu'on ait 4 plaques comme ça pour pouvoir, en fait, avoir exactement la bonne longueur. Oh là là là. Là, ça va vraiment être un bijou d'architecture, ce qu'on va faire, là. Ok, là, pas mal. Là, pas mal du tout. En fait, on a la structure initiale. En fait, ce que je compte faire, c'est de faire une structure initiale. Et après, on va la dupliquer pour faire tous les étages. Parce que sinon, je pense qu'on en a pour une année, non? À peu près, une petite année, je pense. Hein. On a une année pour complète si on veut faire tous les étages comme ça. Ok, le coin pour la vitre, il est parfait. On a un carré vraiment pas mal. Pour le moment, je fais pas de porte de devant. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je vais la porte. Après, on pourra l'amener en fait comme on le souhaite, quoi. Ok, pensons déjà à l'escalier. L'escalier qui sera sur le côté. Là, les gars, là, on a l'impression d'être sur Minecraft. Hein. Ça, je vous le dis. Ça, hein. Je vous jure, regardez. Voilà, on a notre escalier fonctionnel. Là, franchement, je suis assez ravi. Après, les pièces internes, ça peut être entre guillemets choisi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, faut juste que je comble le trou du sol. Et là, par contre, il va falloir trouver la bonne plaque. Ok, là, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver des petits matériaux sympas pour le sol, par exemple. Le sol, on pourrait le mettre en quoi, quand même pas. Il faudrait un beau sol, tu vois, un sol réaliste. Sinon, au niveau grandeur, c'est pas très large, mais en hauteur, on va faire un truc vraiment sympa, quoi. Ok, le sol, là. Et si le sol, là, on l'assombrissait comme ça, tu vois. Là, ça fait un sol, tu vois, genre un sol américain, tu vois, comme dans les films. L'escalier, un petit peu en métal, tu vois ce que je veux dire. Ok, maintenant, on va faire un premier test. Ok, premier test. Ok, alors là, je me suis mis dedans, donc c'est normal que ça se ghost. Donc ça serait un étage. Building tout en vert. Est-ce que ça marcherait l'escalier? Ah non, on a un gros problème d'escalier. En gros, vu que je l'ai mis au même endroit, effectivement, ça pose problème. Ok, donc je vais devoir réparer ça. Ok, donc en fait, j'ai un problème, les gars. Je vais pas pouvoir dupliquer n'importe comment, en fait. Je vais devoir dupliquer seulement quand ça va pouvoir être fait. Parce qu'en fait, si je duplique en haut, en fait, bah, ça va pas être comme je le pensais, en fait. C'est un peu dommage. En fait, il y a peut-être une technique, mais personnellement, là, j'arrive pas à la trouver. Les viveurs. Je vais vous dire que j'ai essayé d'utiliser mon cerveau, mais mon cerveau a cessé de fonctionner. Il a dit, je veux rien savoir. Donc là, c'est parti pour ériger cette tour et après faire l'escalier après. À la rigueur, ils m'aideront à faire l'escalier parce que là, ils font rien. Autant vous dire qu'on va essayer de leur faire travailler un petit peu, hein, ça c'est sûr. Ok, mon duplicateur est bon. Suffit, en fait, tout simplement, je vais suivre ce repère-là et tout simplement le mettre à l'infini, quoi. Ok, là, on monte, les gars. Ah, c'est bon. J'atteins le toit de la map. Et voilà, la MK Tour réussie. Il manque plus qu'à faire de la décoration intérieure, ça c'est sûr. Et tout ça, quoi. Ok, j'ai fini, monsieur Jaigo. Mets du noir dessus, c'est plus joli. Du noir pour les vitrages? Des vitraux, ouais, vous voulez dire building, ouais. Ouais, c'est vrai que... Mais du noir noir ou un peu du gris? Du noir, c'est plus building.
hein. Ok, moi je vous suis, hein, les gars. Hein. Moi, je fais confiance en mes amis. Hein. Ok, donc là, on doit refaire toutes les fenêtres. C'est vrai que ça fait plus beau, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez vu comment il faut écouter ses amis, des fois. La M4 Tour est finie. Bon, aidez-moi, monsieur Jaigo, là. Parce que là, j'ai fait tout ça. Ouais, maintenant, vous allez m'aider. Donc là, vous allez me faire, évidemment, regarder une entrée ici. Ce serait bien, une petite entrée, là. Moi, faut que je fasse les escaliers, monsieur, parce que j'ai eu des problèmes d'escalier. Un petit standard, c'est ça? Exactement, un petit standard. Oh putain, la police, faut que je leur parle. Hello, sir, we are Donald Trump. We create a height building. Nous avons construit un building, monsieur, pour les sans-abri. Ça, c'est généreux, monsieur. D'accord. Ça, c'est généreux. Écoutez, ça, je pense bien. Effectivement, c'est généreux, mais est-ce que vous avez un permis de construire? Évidemment, monsieur, regardez. Là, j'aurais permis de construire officiel signé par monsieur Biden le 01-08-2021 pour un début de travaux le 02-08-2021. Tenez, c'est monsieur Biden qui nous a signé ça, lui-même. Attendez. Monsieur Nicolas, n'hésitez pas à mettre votre touche artistique, hein. Ça c'est sûr. Faut que je fasse les escaliers encore. Ça c'est sûr. Bougez pas, restez ici, je vais regarder. Allez-y, allez-y, monsieur. Faut que je réfléchisse à un escalier. Alors, si je mets un escalier qui monte de la gauche vers la droite et que je le duplique. Ah, mais le problème, c'est que si je le commence là et que je le duplique là, et en fait, j'aurais toujours le souci en fait. Il faudrait limite que j'ai un escalier qui un coup part à droite. Ah, c'est compliqué. Hein. Oh, je vous jure, j'arrive pas à me faire un escalier, les gars. C'est vraiment compliqué de faire un escalier. Hein. Ok, donc le premier escalier, en fait, il faudrait qu'il soit à la limite d'ici. Je vais faire celui. Vous savez que, fun fact, les vivants, cette année, ça sera les. Je voudrais voir votre patron, s'il vous plaît. Oh merde. Juste un petit souci sur le document, il manque une signature. Attendez, monsieur, j'arrive, je suis en train de. On est en pleine maçonnerie, monsieur. Si on veut faire une ouverture pour le 11 septembre 2021, il y a vraiment un timing assez court. Ok, monsieur, il n'est pas signé mon document? Ah oui, c'est vrai, attendez, faut que je signe. Ah, hop, je vais vérifier l'authenticité. Signez rien. Allez-y, monsieur, mais putain, vous en faites pas, monsieur, vous connaissez un peu. Et regardez, attendez, bougez pas, monsieur. Porte-monnaie, on va mettre un petit 100 000. Regardez, j'ai oublié mon tampon dessus. Hop. Vérifiez le tampon, monsieur. Attendez. Ah, bah regardez. Ah, il n'y a pas assez de tampons, attendez. 50 000 $. Non, monsieur, le tampon n'est pas bon. Regardez, monsieur, maintenant il y a assez de tampons. Vous récupérez votre argent, là. Votre argent, monsieur. Merde. Regardez, s'il n'y a pas assez. Vérifiez qu'il y a assez, monsieur, en faisant un slash roll. Vérifiez qu'il y a assez, monsieur. Et qu'il y a assez de quoi, monsieur? Il y a assez de tampons là-dedans. Il y a assez de tampons, monsieur. Écoutez, monsieur, je pense qu'il n'y a pas assez de tampons. Il n'y a pas assez encore, attendez. Et je vais le faire examiner. 50 000. Je vais examiner le document. Hop, je viens de rajouter, monsieur. On revient vers vous. Allez. Non. C'est quoi ces slash rolls de merde? C'est quoi ces slash rolls de merde? On examine le document et on revient vers vous. Merde. Bonne journée, monsieur. Oh putain, faut vite qu'on finisse. Les gars, on n'a pas l'autorisation de construire ça. La police, elle va nous emmerder. Vite. La lettre de monsieur Biden, elle est pas passée. Monsieur Biden, président américain, les gars, attention. Respectons-le. Ok, donc là, on serait sympa, en fait. Là, on a une bonne mécanique de virage de construction, là. Faut vraiment que je finisse ça avant que les flics aussi arrivent. Hein. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu un métal de bonne qualité? Ah, ça, c'est sympa, ça. Regardez, vieux. Hein. Donc là, on a un premier début d'escalier comme ça. Et en fait, là, voilà. En fait, j'arriverai à faire un escalier là. Et en fait, il faudrait que je fasse ça en boucle. Et si je weld les deux et que je prends mon advanced dupe? Ok, bon, ça ira. Oh, merde, je crois qu'il y a la police. Bonjour, monsieur. On est en train de faire la Donald Trump Tower, monsieur, pour héberger sans abri. Vous refaites la World Corp, c'est ça? Je connais pas, moi, c'est quoi la World Corp? Moi, je connais la Donald Trump Tower. Vous êtes Trump? Moi, je suis pas Trump, monsieur, je suis un ouvrier. Vous voyez pas que je suis en train de me salir les mains? Trump se salirait les mains pour construire ça? Je ne crois pas, monsieur. Vous avez pas l'air d'être. Moi, je suis un très fort ouvrier. Oui, mon travail, nous, en costard-cravate, faut le savoir. On est des gens distingués, quand même. Mm-hmm. Des flics, ils voient ça, ils viennent voir direct, mm-hmm. On a fait quoi? C'est celui de ça? Évidemment, monsieur, évidemment, une nucléaire pourrait pas nous. Oh, fera péter une nuque à la fin. Oh, j'ai dit, bravo, oh, mais si, mais. Si vous voulez, à la fin, on fera péter une nuque sur le bâtiment pour voir ce qu'il en a de bien. Non, ça va aller, ça va aller. Vous appelez comment vous? Moi, c'est monsieur MK, monsieur. Ah, mais j'ai pas de masque. Ah, si, parce que ça pue l'amiante. Ça pue la quoi? Ça pue l'amidon. L'amidon. L'amiante, il m'aurait fait fermer mon truc. Amidon, okay. Quoi? Amidon de maïs, amidon de patate, parce qu'on fait des frites. Mon collègue est en train de faire des frites pour le midi. Vous en sortez bien. Bon, allez, nous, on y va. Bon, bah, que votre projet continue. Et merci que beaucoup, monsieur. Bonne journée. Ok, nickel. Là, il faudrait que j'ai un petit bloc, comme ça, les poteaux, que je rentre dedans. En gros, je me suis un peu fail ici. Hein. Il y a un peu de tard, mais je pense que ce bâtiment ne sera pas parfaitement droit. Vous m'en excuserez, j'en
suis sûr. De toute façon, vous allez tout me pardonner quand à la fin on va faire péter une nuque, je le sais très bien. Je serai pardonné de tous mes péchés. La nuque, c'est vraiment un truc qui resserre les amitiés. Ça, vous n'êtes pas d'accord avec moi, le chat? Ça, ça va être difficile d'être grave précis, là. Hein. Ah si, là, regardez. Hop là. En fait, il faut faire une fois tous les deux étages. Ici, je vais limite supprimer ça, en fait, pour que ça devienne le toit, en fait. Hein. Voilà. C'est bon, j'ai fini les escaliers, j'ai réussi à trouver une solution. Applaudissez-moi, les gars, applaudissez-moi. Ok, dedans, on va pouvoir faire plein de choses. On va pouvoir faire de l'illégal, on va pouvoir faire des milliers de trucs. Hein. On fait un bureau tout en haut, pas? Évidemment. Ah bah, ça, c'est sûr. Et faites vos bureaux aussi, parce que moi, je suis vraiment un homme très gentil. En fait, regardez les viewers, je peux pas cacher ici. Enfin, je peux pas fermer ici, parce qu'en fait, quand je mets des props, par exemple là, t'es bloqué. Donc en fait, on va rester comme ça. On va rester comme ça, je vais demander à Mathilde ce qu'elle en pense. Regarde, Mathilde. Très beau. Ah, j'ai oublié de mettre de la couleur ici. Ok, ce que je vais faire, c'est que sur les côtés, je vais mettre ce genre de choses. Ça va être un angle, enfin un angle pour pouvoir embellir le bâtiment, vous allez voir. Bonjour, j'aimerais parler au propriétaire, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, je mets juste la baguette, monsieur, parce qu'il faut mettre la baguette. C'est ça, c'est ça. Ok, là, ça passe, là, regardez. Bon, en haut, ça passe moins bien, parce que j'étais pas précis. Oui, monsieur. Ah, c'est vous? Oui, bonjour. Oui. D'ailleurs, c'est pas mal le propriétaire, c'est le constructeur en chef. D'accord. Écoutez, j'ai procédé à toutes les analyses, donc oui, le nom de la personne qui vous a fourni ce certificat. Est-ce que vous faites des analyses d'urine? Non. Ah bah c'est pas tout alors. Le tampon n'est pas valide. No found. No found. Comme dire à base de données. Donc, je vous laisse une option. Oui. Actuellement, un maire en ville. Donc, vous avez 10 oh minutes là là pour aller chercher un vrai permis de construction où tout ça, ça dégage. Vous êtes vraiment. Vous êtes un monstre, monsieur, parce que moi, je travaille, monsieur. 10 minutes pour vous régulariser. Ok, j'ai le temps de faire mes baguettes. Monsieur. Moi, je vous le dis, j'ai le temps de faire mes baguettes. À ma montre 36, il y a 46, je reviens et qu'il n'y a pas le vrai permis de construire. Je demande que tout ça dégage. Je vous préviens. Dites pas dégage, monsieur. Si ne dites pas dégage. Ne dites pas dégage. Allez. À moi. Moi, monsieur, je construis ça, c'est pour les SDF avec un Z. C'est ça. Eh ben, alors, faites ça légalement. Oui, c'est ça. À dans 10 minutes. Regardez comment c'est beau quand même. Eh, mine de rien, avant de partir, monsieur, bonsoir. C'est beau. Écoutez, c'est sans plus. C'est sans plus. Putain, j'ai pas du tout été droit sur la construction, les gars. Incroyable. Regardez quand que ça dépasse. Mais bon, ça arrive. Hein. C'est les risques de la construction, là, de vous dire. Vous n'avez pas intérêt à rentrer, monsieur, parce que c'est pas chez vous, monsieur. Non, je ne mettrai pas le pied dedans, non, sûrement pas. Mais je voudrais juste savoir c'est quoi, en fait. Monsieur, c'est un bâtiment. C'est fait pour traiter la qualité de l'air. Moi, je vous le dis, monsieur. Ah, oui. D'accord, ok. Ouais, je vous crois. Putain, j'ai écoutez, bonne construction. Hein. Merci, monsieur, merci. Regardez de loin ce que ça donne. Mes petites baguettes, elles rajoutent tout. Moi, je vous le dis que mes petites baguettes. C'est vraiment ce qui manquait, quoi. Putain, j'ai oublié d'aller voir le maire. Attendez, j'y vais en courant. Monsieur le maire, arrêtez vos lois, pitié, maman. Est-ce que vous pouvez me faire une attestation de construction, monsieur, pour le... Je sais pas si vous le voyez d'ici. C'est une tour qui est tout là-haut, monsieur. Bah, vous la voyez pas. Ok. Écrivez /right et m'autorisant à avoir une construction à la mine, monsieur, pour un building. D'accord. Un permis de construire. Monsieur, je vous paye tout ça. Je vous paye les avants. Hop, je vais lui donner 25 000, pas plus. Pas moins. Je crois qu'il y a les flics qui sont en train de faire des frames. Ah non, ça va. Vous appelez comment? Monsieur, MK, AIMEK. Vous avez posé un billet sur la table. Merci, monsieur, merci. Allez, signé, monsieur, signé. Sinon, la police, ça va m'emmerder. C'est bon, monsieur? Allez, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Merci. Bonne vie à vous. Wow. Je suis envolé. Donc, après avoir assombri les côtés, il faudrait qu'on assombrisse le devant, quoi. Hein. Ok, je viens d'assombrir toutes les vitres. Le building, il est magnifique. Ouais, vous avez vu ce qu'ils ont fait, non. Les petites barrières, là? Pour le rooftop? Ah ouais, pas mal du tout. Hein. Ça casse la langue, tu vois. Vraiment parfait, ça. Ah, bonjour, monsieur, les agents. De police. Regardez monsieur, j'ai mis le permis de construire. Bien devant tout le monde, monsieur, le permis de construire du maire. Et ouais. Il est signé. Il est signé par le maire. Je savais que vous allez regarder en plus. Hein. Moi, je fais les choses dans les règles. Regardez ce beau building. Vous voulez venir voir, monsieur Monsieur Toutou, j'arrive pas à voir. Ah non, Toulier, pardon. C'est pas monsieur Toutou, c'est lui. Mais de loin, j'ai cru voir Toutou sur votre badge. Excusez-moi. Moi, je voulais être poli, monsieur. Ça, vous voulez venir grave, voir ça. Venez voir, monsieur le lieutenant. Oh là là, ça le fait, ça, lieutenant, oui, c'est dingue, ça. Bon, il n'y a pas tout qu'à emménager, hein. Vous savez, il y a plein d'esplacements libres pour les pauvres. Hein. Si vous voulez, monsieur, une place pour votre police, faut me le dire, hein. Vous me payez à 100 000 $ la soirée, et vous avez une place ici. Hein. Oh, vous savez, monsieur, on verra, mais la police, je pense que vous me donnez le tournis, là, avec vos escaliers. Ça tourne. Ici, c'est une de chambres qui est en train de construire, monsieur, par nos réfugiés, là. Regardez, la salle du patron, ici. Et ici, il y a le rooftop, regardez. C'est beau ça. Hein. Ici, on travaille. Hein. Et au dernier étage, un petit bar, bien. Je veux savoir quelles sont vos motivations parce que vous gagnez pas
d'argent. Et ici, à mon bureau. Ah bah vous savez, monsieur, nous les SDF, on les adore. Et après, on va construire, évidemment. Apparemment, j'ai entendu dire qu'il y a la société Haribo qui voulait nous prendre un étage. Et une société pharmaceutique de cannabinoïdes. Vous connaissez le cannabinoïde? Moi, je connais pas. Ah non, je connais pas. Je connais pas non plus. Je conseille quand même de vérifier vos collaborateurs. Vous voulez pas avoir des soucis, tant que c'est vous le propriétaire de l'immeuble. Ça, c'est vrai, monsieur. Sachez-le, hein. Si jamais il y a un souci, ça retombe sur vous. À chaque fois que je retombe sur mes pattes. D'ailleurs, monsieur, on voulait savoir. Bah, attendez, je me mets sur mon bureau. Je voulais savoir, est-ce qu'il est autorisé de faire une attaque de frappe orbitale sur le bâtiment pour tester sa solidité? Non, vous n'avez pas le droit. Ah, très bien, ça ok. Ça risque justement d'atteindre nos citoyens. Ça risque de faire. Oui, parce que là, si ça s'effondre, regardez, si ça s'effondre, on s'écrase sur le concès. Hein. C'est dangereux. Vous en pensez quoi des vitres fumées noires? Parce que moi, sur mes voitures, j'aime bien mettre des vitres teintées, donc j'ai mis des vitres teintées aussi sur mon building. Bah, ça permet de privatiser votre bureau, oui. Ça, c'est la possibilité de me prendre une balle de sniper d'un policier, par exemple. Oh, vous savez, pour l'instant, vous en aurez pas, hein. Y a pas de souci pour le moment. Ça, c'est sûr. Bah, tant qu'on est en légalité, qu'on serre la main amicalement, on n'a aucun risque. Après, monsieur, s'il vient par-delà les horizons, à ce qu'à un moment donné, vous soyez dans l'illégalité... Alors là non. Imaginez peut-être, vous me connaissez monsieur, je suis un constructeur de talent. C'est vous monsieur. À tout moment, peut-être que quand vous allez nous assaut, le bâtiment va sortir 3 propulseurs du sol et on va s'envoler comme une fusée. Direction la Martinique. Vous connaissez les chansons créoles? Excusez-moi, je ne suis pas ingénieur, loin de là. Oh, ta 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 vu le poids du bâtiment, 3 propulseurs, ça va être complexe. C'est ça. Mais j'ai demandé à SpaceX des propulseurs. Il faudrait que je travaille chez Amazon en tant que préparateur de commandes pour me faire un 1000 ou 2000 euros pour pouvoir les acheter, ça je te le dis. Ça. Bon allez, je vais vous laisser partir monsieur, parce que comme vous voyez, le toit, regardez, le toit n'est toujours pas fermé, c'est dangereux. On se regarde dans Minecraft un petit peu, non? Un peu beaucoup. Il y a des airs. Donc c'est ici qu'on mettrait les jetages? Ouais, c'est ça. Je l'ai dit bien fort. Attention! Oh là là, attention, j'ai pas mis encore les barrières, monsieur. C'est pas homologué votre truc. Ah oui, mais c'est encore en construction aussi. Il s'est pété la jambe. Mais ça me bloque. Allez, on descend. Fou. Mais descendez. Arrêtez, vous me bloquez. Moi, j'essaye de dupliquer le bordel, moi. Ok, les viewers, donc là, on va pas se chercher à plus construire. On a déjà notre base et tout. Donc là, ce qu'on va faire, petit A, on va essayer de faire une prise d'otage. Petit 2, on va faire péter ce bâtiment avec la nuque. Ou on va faire les deux en même temps. On va mettre une bombe là-dedans. Oh, limite dans le coffre-fort. Ah yes. Attendez, je vais mettre ça dans le coffre-fort. On va mettre la bombe dans le coffre-fort. Voilà, ça marche son truc. Ok, ça a l'air de marcher. On va mettre une nuque dans le coffre-fort et en fait, ça va détruire tout le bâtiment. Ça, c'est quand même beau, quoi. Ok, on met des mines autour de notre nuque pour bien qu'elle pète. Si elle pètera pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, on peut péter une nuque. Parce que j'ai envie de voir ce bâtiment exploser. Après, moi, c'est peut-être bizarre de vouloir avoir ça, sachant le temps que je l'ai mis à le construire. Environ une heure à la seconde même. Hein. Une heure, là. Let's go. On a notre truc. J'ai posé une nuque dans le coffre au cas où ça pourrait servir. D'être armé ou pas? Ah bah moi oui toujours. Slash pub, je recrute des sans-abri pour les loger dans le building de la mine. Ça c'est gentil de ma part quand même, c'est bien aimable. Donc on va recruter des sans-abri qu'on va mettre en otage. Et putain c'est beau hein, waouh, le building de ouf. Et personnellement, j'aurais peur. C'est qui lui? Bonjour monsieur, vous êtes un SDF? Bonjour. Non. Ça vous intéresserait de travailler dans notre organisation territoriale, monsieur? Pourquoi pas? Bah allez-y, courez, monsieur, ouais, courez, pas. Courez. D'accord. Incroyable. Il court. Il sait pas pourquoi il court, mais il y va. Attends, moi je verrai ça, j'irai aussi, hein, les gars. Bonjour, vous êtes dans SDF, monsieur? Allez dedans, là. Ouais. Et attendez à l'accueil. Okay, oh putain, les SDF, ça court de partout. Bon, j'aurais pas besoin de la voiture. Attention! Et bah voilà, monsieur, attention. Je vous l'ai dit, attention, hein. On m'écoute jamais. Allez hop, elle m'a saoulé, cette Merco-là. À la poubelle. Ah, venez, monsieur, venez. Attendez, on attend l'SDF numéro 2 qui arrive. Oh là là, il y a des SDF qui arrivent par milliers, là. Oui, oh là là. Et attendez. Ah, mais monsieur, c'est monsieur. C'est vous qui avez construit ça. Monsieur Dylan. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est un fou. Il a essayé de me tuer, le mec. Non, je pense pas. Regardez les roues flaquettes sur le côté, là. Je pense pas qu'il essaie de tuer quelqu'un. Je suis un chat. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Je suis moqué de ma calvitie. Allez, venez, monsieur, je vais vous montrer vos bureaux. J'ai pas les sous pour me faire une implantation. Allez, on monte tout doucement. Je sais que t'es une tête de cheval. Calme, calme. Mutez-le avec moi. Aller en Turquie. J'ai réglé son compte. Mutez-le avec moi. Ne vous énervez pas. Faut aller en Turquie. Faut aller en Turquie. Attendez. Faut aller en Turquie. Mutez-le dans ma chambre. Ça me donne pas confiance, ça, monsieur. Attendez, rentrez dans les... Calmez-vous, monsieur Folie. Allez, mettez-vous dedans, parce que là, on n'arrive plus à marcher. Là, rentrez dedans, les gars. Il porte bien son nom, monsieur Folie. Qu'est-ce qui va se passer, là? C'est vos logements de sans-abri.
sans-abri, monsieur, non, c'est au logement de sans-abri. J'ai moqué de moi, calme ici. Calmez-vous, calmez-vous. Vous faites trop de bruit. Si vous êtes beau, vous êtes beau. Il faut savoir rester calme et digne quand on est dans des caches comme ça. Vous mettre un joli matelas. J'ai manqué de moi, calme ici. Très bon, pas si moche que ça en plus. Moi, j'aimerais bien que vous vous dépêchiez de faire le quatrième. Allez, allez, il y en a une par personne. Il y en a une par personne. Il y a des gens qui sont compliqués ici. C'est pas des cages. C'est pas des cages, monsieur. C'est pas des cages. Rentrez dans votre cage, monsieur. Rentrez dans votre cage. Non, 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 arrêtez de courir, monsieur. Monsieur Folly, redescendez. Monsieur Folly, redescendez là. Il n'y a pas de sortie en haut. Il n'y a pas de sortie. Je suis trop faible. Vous êtes grand malade, mon bon Dieu. Allez, allez, dans vos cages, les yeux. Je vais pas aller dans la cage. Slash, slash pub, nous aidons les SDF. Mais essayez de bien vous tenir. Sans sortir. Allez dans votre cage. Allez, j'ai cherché votre SDF. Allez, venez, monsieur. Rentrez dans votre cage. Dans votre cage, monsieur. Vite, vite, vite. Monsieur Fournis, c'est un fou. Ah oui, mais même si vous êtes. Calmez-vous, monsieur. Allez, allez dans votre cage, salopard. Et avec le sourire. C'est une cage, mais c'est pour. J'ai besoin de ça. C'est pour dormir. J'ai besoin de ça. C'est pour dormir. J'ai besoin de ça, bordel. Allez, je vous aide à la traite. Je vous aide à la traite. Arrêtez de marcher, arrêtez de marcher. C'est les prisons, c'est les prisons. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de cerveau. Attention, monsieur. Bien sûr, monsieur, vous n'avez pas de. Attends. Ok, allez, hop, attendez. Et ça se trouve, il y a des gens en bas là qui nous attendent là. Alors, vous êtes SDF ? Mais c'est lui. Vous êtes horrible. Oh non, moi pas d'argent. Désolé pour ma voix, j'ai trop de gnoules. Qu'est-ce que vous racontez ? Attendez, nous ici, monsieur. Par contre, vous, votre voix, elle est trop désagréable. Alors, essayez de ne pas trop parler, salope. Parce qu'on entend les dessins animés derrière vous. Moi, non, moi, je veux vivre. Restez ici, je reviens. On a. Je vais faire pipi. Je vais faire pipi, qui nous dit. Ok, ok. Préparez vite les trois prochaines portes, monsieur Nicolas. J'ai mangé déjà. Veuillez monter les SDF. On a préparé vos lits. Allez, on a préparé vos lits. Montez. Allez, bah montez, monsieur, n'ayez pas peur. Allez. Montez. Monsieur Komora, essayez de bloquer. Essayez que tout se passe bien, parce que là, vous servez à rien pour le moment. Vous avez fini aussi. Ah, monsieur Komora, comment ça va? Monsieur Camara. Allez, on respecte les lieux. C'était sûr qu'il dit. Tu m'étonnes que c'était sûr. Ah, il y a les polices qui sortent de la mairie. Tout va bien. Ils ont l'air contents. Toujours plus 7 otages. Ah bah en même temps, un grand building, 7 otages. Un slash pub. Si vous voulez que les 7 otages vivent, va falloir raquer. Reculez, monsieur. Bonjour, monsieur. On prend plus d'otages. On m'avait parlé d'une soupe gratuite. Ah oui, mais ça, monsieur, c'est fini, monsieur. En fait, c'était un prank et tout le monde est pris en otage à deux doigts de mourir en haut. Ah, si vous voulez, à la cerveau, je peux vous donner du travail. Venez, monsieur. Mettez-vous à l'accueil. Vous êtes le standard. Vous allez être le standardiste du building. Allez-y, vous allez avoir un travail. Bien payé en plus. Allez-y, monsieur. Ah, d'accord. Allez-y. Ah bah tiens, ça va. Regardez, vous avez juste à appuyer ici, ça s'ouvre et voilà. Ça se ferme. Et fermer quand je rentre et appuyer quand je sors. Mais est-ce que vous n'auriez pas un petit peu à manger parce que j'ai pas. Bah moi aussi, j'en ai rien, mais je me suis réveillé. Attendez, j'ai piqué des pizzas. Ah bah voilà, regardez, ouais, ça c'est bon. Bonjour messieurs, on aimerait avoir un négociateur négocier. Allô barricade, monsieur, bonjour. Bonjour. J'espère qu'on va avoir évidemment une soirée courtoise entre nous, hein, ça c'est sûr. Ah, le capitaine en personne. Enchanté, mon capitaine, bienvenue. Je suis Maxime MK, prise d'otageur professionnel depuis 10 ans. Du coup, vous avez 7 otages. À l'heure actuelle, il y a 3 snipers qui sont aux fenêtres et qui vous visent. Alors, autant vous dire une bêtise, c'est des bêtises. Des regards dans l'air. Ils peuvent être à n'importe quelle fenêtre. Bon, allez, venez, monsieur. Est-ce que on est honnête et vous venez, je vous montre les otages et après, on redescend, c'est alors, devant. Alors, je pourrais pas rentrer à l'intérieur. Pitié, monsieur. Ça serait un plaisir de vous montrer non. Je vous promets, monsieur. Croix-bois de croix de fer, je ne crois pas en otage. J'en ai 7, monsieur, 7. Vous faites pas quand même pas 8. On n'a jamais 10, jamais 8 sans 7.
C'est qui la personne derrière? C'est mon standardiste. Ouais. Faut bien avoir un standardiste. Allez, venez, monsieur. Allez, allez, venez voir ça et on n'en reparle plus. De toute façon, je vais pas vous prendre en otage. Je vous gère sur ma parole d'homme qui prend en otage les gens. Oh. Ouvrez-nous la page, SDF de merde. Allez, fermez la porte. Fermez la porte. Je vais montrer tout à ce collaborateur de la police. Venez, non, franchement, je vous jure, monsieur le capitaine. Vous êtes un capitaine. Ouais. Hein, vous pouvez avoir confiance en des preneurs d'otages quand même. Allez, j'ai faim. Je vais venez. Mais non, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas mourir. Je on a perdu un otage apparemment. C'est un peu une usine à bon, il y en a plus 7, il y en a 7. C'est un qui a dû mourir de faim. Bon, ça doit arriver. Bon, taisez-vous. Bon, allez, on y va, monsieur. Monsieur le capitaine. Je vais bientôt mourir. Je peux regarder là-haut, il y a quoi? Non, 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 non. En haut, monsieur. Je vais bientôt mourir. À la rigueur, venez. À la rigueur, venez, je peux vous montrer un truc en haut. Assez marrant, venez voir. Mais vous n'avez pas monté au dernier étage. Ok, regardez ce qu'il y a dedans, monsieur. Regardez ce qu'il y a dedans. Allez, allez, on descend. Il n'y a pas d'esclaves, monsieur, c'est des otages. On est plus en 1500. Je te mange, je te bouille. Vous pouvez ouvrir la porte, mon cher monsieur. Ah, bonjour, monsieur. On est combien pour chaque otage? Prenez un sniper, monsieur Jaigo. Alors, par otage, 1 million. 1 million. Ça fait 1 million, monsieur. Parce qu'on en a perdu un, ça nous emmerde, monsieur, ça nous emmerde, on en avait 7, mais on en a plus que 6. Combien on pourrait demander, monsieur Jaigo, vu que vous connaissez pas le règlement et que la dernière fois monsieur vous avez Camara, dit à 20 000 ou je sais plus combien? Adieu, monsieur Camara. 60 000. 60 000. C'est pas 60 000, vous êtes cinglé, quoi. 60 000 par tête. C'est pas, hein, c'est pas 60 000, monsieur, monsieur le capitaine, vu que vous connaissez, vous, les lois. Comment ça? C'est 60 000 ou pas, monsieur, par tête? Parce que ça fait beaucoup, quand même. Je crois que c'est moins, c'est moins. Quand même moins, vous êtes malade, bah... ou quoi? Cherchez pas à nous arnaquer. Attendez, je vais regarder dans mes dossiers. Regardez dans vos dossiers, parce que même moi je trouve que c'est trop 60 000. Et vous trouvez que c'est trop, monsieur 60 000? Ah bah j'aurais dit c'est pas assez. Elle est où la pizza? Elle est où la pizza que vous avez sortie? Ouais, attendez, je vous en donne une deuxième. Attendez, attendez, je vais vous faire un stock de pizza là. Attention. Non, en haut pour ouais, les otages. Ouais, bah montez-les. C'est 15 000 otages. Allez. Oh non! Bon, c'est pas grave. Attention à la bouffe, ça peut supprimer les propres, c'est vrai. Méfiez-vous. Bon, je viens de péter mon sol pour vous. Du coup, c'est 15 000 combien? Monsieur les policiers, attendez, on donne à manger aux policiers parce que nous on est quand même généreux. Tenez, monsieur, on n'a pas pissé dedans, monsieur, c'est fait par nous. Alors, monsieur, attendez, c'est ouvert parce qu'au final j'ai confiance à la police. Ils savent, monsieur le capitaine a vu ce que j'avais dans mon coffre-fort. Et je sais que. Ne vous inquiète pas, on va pas rentrer. Je sais que je vais pas me faire taser ou assassiner. Donc, monsieur les agents. Je vous explique après. Monsieur les agents, je veux 20 000 euros l'otage. Donc, 20 fois 6, ça fait combien? Ça fait. Je peux faire 15 fois 6 maximum. 1 million 2, c'est ça? Mec, c'est pas compté. 15 fois 6. 15 fois 6, 15 fois 6, monsieur, ça fait combien? En tout, oui, 90 000, c'est ça. 90 000 euros parce que j'ai 6 otages? Ok, monsieur, 90 000. Mais qu'est-ce que je vais faire avec 90 000? Je me fais autant, monsieur, en driftant sur un serveur drift sur GTA. Ah, ben, fallait directer, il fallait pas des otages du coup. Au pire, ce que vous faites, vous nous lâchez les otages. Par la fenêtre? Après, vous allez drifter. Par la fenêtre? Non, surtout pas. Non, pas par la fenêtre. Oh, ce serait trop marrant en vrai. Par en bas, par les escaliers. Putain, faut que je change de pile de cam. Quand je change de pile de cam, c'est que le live il devient trop long. Enfin, c'est que le rush il devient trop long. Bon, écoutez, je commence à en avoir à la casquette de vous. Parce que là, moi je voulais pas que vous veniez m'emmerder. Bon, je vous ai peut-être appelé pour une prise d'otage. C'est peut-être différent. Moi, ce que je veux, c'est que Toulé est là ou pas? Je veux que Toulé soit viré de la police. Non, Toulé n'est pas là. Il est parti. Je veux qu'il soit viré de la police, vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a emmerdé, monsieur Toulé, pour mon permis de construire. Qui est là, regardez. Ah bah il est plus là. Il m'a emmerdé quand même. Bah maintenant vous l'avez. Mais virez-le de la police. Virez-le de la police et je vous demande 0€. Non, ça ne sera pas possible. Ça sera pas. Mais monsieur, je commence à devenir malade mental, monsieur. Vous voulez que j'appuie sur la touche 0 de mon pavé numérique? Je vais appuyer dessus, je vous le dis. Non, très mauvaise idée. Ça va aller. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais ça va aller. Si on vous donne 90 000, vous laissez partir tous les otages? Et qu'est-ce qui se passerait? Vous allez me rusher? Non, vous allez pas me rusher parce que vous savez que si on me rusher. Alors vous me donnez 90 000, je sors tous les otages et vous m'emmerdez pas. Oh putain, vous savez quoi, on va faire un franchement truc. Ça pourrait bien je marcher. Je veux bien vous donner les 90 000, mais vous me donnez un otage par un otage. Je veux que les 6 sortent d'un coup. Ah bah vous me donnez 90 000, moi j'ai fait tout vous sortir. Vous me les faites sortir un par un. Non, vous me les faites sortir un par un. Tu es le par otage. Graffarin? Non, monsieur, vous me donnez 90 000 et les otages ils sortent. Ouais, moi j'ai qu'une parole, monsieur le capitaine il le sait très bien. Je vous fais très peu confiance. Hein. J'aurais pu prendre l'otage le capitaine, hein. Mais le doigté par exemple. Mais je l'ai pas fait. En plus, monsieur le capitaine a perdu sa femme hier.
C'est vous ? Non, non. C'était vous. C'est vous monsieur savez... Gigot, c'est lui qui est derrière moi là. Vous le reconnaissez pas au visage ? D'accord. Il fait gauche droite avec la tête. Il a assassiné votre femme devant vos yeux. C'était en live ça, les gars. Ne vous inquiétez pas. D'abord, on va s'occuper des otages. Ok, donnez-moi 90 000 et je sors les otages. Je vous le dis. Moi, je vous. Et après, ça se trouve, il y a un ou deux otages qui sont morts. Il y a des otages qui sont morts de faim ou pas ? Non, putain, ça c'est dingue ça. Il y a beaucoup de personnes avec des problèmes mentaux en gros. Non, non, ça ne faut pas les laisser là-haut, au pire, sinon on est complètement con. Je peux m'en occuper, monsieur, je peux les tuer si vous. On va les amener à l'hôpital psychiatrie, mais voilà. Bon, allez, monsieur, allez, 90 000, vous les avez sur vous, vous êtes blindé. Oui, monsieur Franck Gigot. Monsieur le preneur d'otage, vous ne voulez pas faire du chat. Je chuchote actuellement. Oui, tu me chuchotes pour me dire. Il reste seulement 4 otages. Ah, on a un changement de plan, monsieur le capitaine. On m'a dit dans mon oreillette, qui est, bah lui c'est une petite oreillette, qu'en fait il y a encore deux otages qui sont morts, donc il reste plus que 4. Pourquoi on va payer 4 otages du coup? Vous payez vite, monsieur, parce qu'ils sont, ils crèvent à une vitesse monstre en haut. Hein. Mais il faut leur donner à manger, monsieur. Hein. C'est un truc de fou, hein. Ils meurent comme des petits pouces. Donc là, ça fait 60 000, monsieur. Bravo. Allez-y, on va les libérer. Non, libérez-les un par. Oh non, mais arrêtez-moi. Un par. Ok. Ah, si. Monsieur Nicolas, ramenez-moi un otage. Attendez, bon, on va descendre. Attendez, je vais leur dire. Bloquez la porte, s'il vous plaît, monsieur Copernic. Ah, descendez-moi un otage par un otage. On va les faire payer. Je sens mal, tu vois, quand ils parlent comme ça tous ensemble là, c'est jamais bon signe. Ah, ça c'est sûr. J'ai envie de savoir ce qu'il dit. Je peux peut-être vous aider, je suis un peu armé. Si vous êtes armé, devenez le bras armé de la tour. Hein. Ouais, mais ça a des conséquences. Faut penser à ma génération future. Bah, faut le savoir, monsieur, qu'on risque tous de mourir d'une attaque nucléaire. J'ai miné le bâtiment à la construction. Ah, là, j'espère que. Si on s'éloigne, pensez que ça nous atteint. Ils ont une strat. Je sais, mais bon. Ah, bonjour, monsieur. Ouvrez-moi la porte. Attendez-vous, courez pas, vous n'êtes pas encore payé, monsieur. Hop. Attendez, il n'est pas encore payé. Mettez-vous là. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Monsieur, vous allez sûrement avoir des. Des séquelles psychologiques suite à avoir traîné avec des gens comme eux. Hop, restez là, je vais chercher les autres. Ils descendaient tous pas au rez-de-chaussée, attendez au premier étage. Une zone nuque. J'ai entendu une zone nuque. Allez, on a les otages, monsieur. On en a déjà deux. Juste, s'il y a moyen de nous transmettre les corps pour qu'on les donne à la famille, c'est juste ce qu'on demande aussi. Apparemment, ils les ont jetés dans le broyeur. Parce qu'on a un broyeur pour la nourriture et tout, on les a tous foutus. Ok, allez hop, donnez-moi 15 000 par 15 000. On vaut plus quand même. Bah moi je suis d'accord avec vous monsieur, mais bon. Ok. Ah, j'ai déjà un otage. Le pire, le mec en violet, Castol, mec en violet, salopin. Je vous fais la tortelle. Je cours, cours, partons courant. Allez. Je suis libéré. J'ai libéré. Au suivant. Allez, on bouge pas là. Le gros là avec ses roues flaquettes là, le mec c'est un amiche. Vous allez au fond là. Ok. Les gars, on remonte. Hein. On ferme. Monsieur Cornic, une fois que le dernier est passé, vous fermez la porte. Enfin, vous avez mis un keypad extérieur, monsieur Nicolas, ou pas? Non. Avec vous, monsieur. Aïe. Bon, bah, fermez pas la porte, monsieur Cornic. Non, restez pas avec nous, cassez-vous, vous. Hein. Je peux rester avec vous? Monsieur Nicolas, récupérez l'argent, laissez récupérer l'argent. Sinon, vous mourrez, on va vous libérer, mais parle-toi sinon. T'es le quatrième, bon, allez, hop, on se réveille, toi. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui récupère l'argent? Parce que j'ai l'impression que l'argent, il est pas récupéré là. Là, il y a personne qui va. Mais c'est une blague ou quoi? On a payé que 15 000 pour 4 otages. Non, mais on va vous payer. Je t'attendais qu'il y a un mec qui s'en. On a donné 30 000 dans l'histoire. Salaud là. Faut pas faire la porte. Une 15 000, c'est beau. Non, il y avait 30 000 en plus. Non, 45 000, là. Pas. Allez, monsieur Gigot, allez récupérer l'argent, monsieur. Mais vous prenez pas une balle à la tête. Allez, on y va, les gars, on y va. Oh putain. Ok. C'est quoi le plan de secours là? On prend l'hélicoptère, on se casse. On a un hélicoptère? Imaginaire. Un holocoptère. Hélicoptère imaginaire. Slashano, quittez vite la zone qu'on cesse. Ça va faire boum. Ok les gars, j'ai acheté ça sur le bon coin, je sais pas ce que ça donne. Pas trop mal, attends, je me mets sur le fauteuil. Allez-y, asseyez-vous, ça va être beau. Faudrait petite musique de Rocky là. Au pire, mettez-vous assis sur monsieur Gigot. Hein. Mais si... Non. Ça c'est beau, tiens-moi bien. Ouais, je te tiens. Ok, tenez-vous parce que là on va faire sûrement un salto arrière. On va se réfugier sur le yacht qui est là-haut. Vite. Arrête de toucher à mon entrejambe là. On va devoir m'abandonner. Je vais vous abandonner, monsieur. Monsieur camarade, descendez au rez-de-chaussée et fusillez comme un fusilleur. Au pire, je peux piloter. Oh,
Tiens-moi. Je glisse. Je te tiens. C'est les bleus. Oh non, c'est les flics, mais. Ok les gars, est-ce que je peux appuyer sur mon truc d'après? On est dans la merde. Ça a pété, ça pète. Oh c'est beau ça. Je crois que la nuque elle est pas pétée. Oh si c'est beau. Oh, oh alors ça c'est beau ça. Oh putain, regardez, le bâtiment explose props par props. Wouah, c'est trop stylé. Wouah. Regardez, il reste plus rien. Oh là là. Il reste que ça. Ça lag là, non? Un petit peu. Là, j'avoue que c'est justifié un lag comme ça. Regardez, il y a des trucs qui volent, il y a des bureaux qui restent en l'air et tout. Ah merde, les policiers qui étaient là, ils sont morts. Les policiers sur un yacht. C'est beau, franchement. Cette vidéo, c'est une consécration. Un building magnifique, une nuque magnifique, des otages magnifiques. Vraiment, tout est parfait. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque là. Ça a été très long à tourner. Ça va être très long à monter. Donc s'il vous plaît, likez la vidéo. Soutenez-nous parce que ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Merci à vous les gars. À la prochaine. Ciao.